famille, les choses se passent ici dehors. J'espère qu'on va continuer à sensibiliser surtout les jeunes filles d'aujourd'hui jusqu'à certaines d'eux vont comprendre que les 5 doigts-là ne sont pas de même. Voilà que certains commentateurs des réseaux sociaux maintenant, ils sont là. Oh, partout. Oh, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Mais pourquoi tu nous as fait ça là-même? Est-ce que même c'est une question à demander pour ceux qui prennent les agents et décident d'aller eux-mêmes porter les 2 pieds-là, aller entrer où? Tu ne sais pas si tu vas sortir ou pas. La famille, je ne suis pas en train de dire que peut-être si tu as un PB de santé ou quoi que ce soit, tu ne pars pas fait. Tu pars fait parce que réellement tu as un PB de santé. Mais de nos jours, apparemment, les gens qui sont même encore, il y a des comme leur maman les avait donné naissance, là, on les compte seulement. Il dit, apparemment, quand tu marches dans la rue, là, tu vois 10 nanas, hein, je dis au moins 8 là. Ils sont déjà allés faire les baganjos. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Voilà une fille de 36 ans. Elle se lève, très belle en plus. Quand vous regardez même dans la vidéo, il y a dit, c'est une fille que quand tu regardes, tu sens qu'elle ne manque de rien. C'est une fille que quand tu regardes, tu sens que celle-ci-là, elle est bien placée. Mais comme nous, les femmes, on a toujours tendance à dire, oh, ici, là, ça ne me plaît pas, c'est là, oh, c'est là, oh, je suis comme ça, je suis comme cela, je suis comme ceci. Là, voilà qui a porté ses 2 pieds. Arrivé à l'hôpital, on dit qu'apparemment, il y a une autre infirmière qu'on a envoyée venir donner les injections. Que c'est comme cela, l'infirmière est venue. Apparemment, l'infirmière n'était pas, je vais dire quoi, n'est pas professionnel selon ce que j'entends, apparemment. C'est là alors, quand l'infirmière finit, l'infirmière part. On dit que quand l'infirmière tourne même d'avoir son dos à 2 pas, l'angoisse que vous voyez sur l'écran, elle a commencé à dire, oh, je ne respire plus, oh, je ne respire plus. On dit, mais c'est que quoi? Là, 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 2 secondes qu'on vient de te donner les médicaments. Tu dis que quoi? Oh, je ne respire plus, oh, je ne respire plus. Que ça l'est là. Et elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait. L'oxygène, il fallait à. Il dit là, 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 là. C'est comme cela qu'ils ont essayé alors. Et même là où elle était, on dit qu'apparemment, il n'y avait même pas tous les trucs qu'il fallait. C'est comme cela alors, on appelle l'ambulance pour lui ramener dans une grande clinique, non? C'est là-bas alors qu'elle a rejoint ses ancêtres. Pourquoi? Parce que elle a pris son argent à elle, hein, pour aller faire le baganjo. Parce que de nos jours, apparemment, si tu ne fais pas le baganjo, tu n'es pas grande dame, tu n'es pas femme capable, tu n'es pas une femme qui a de l'argent. Parce que maintenant, on dit que les gens qui n'ont pas fait, c'est ceux qui n'ont pas encore l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu dois toujours vouloir aller aussi voir si tu es bancaire ou pas, voir si peut-être tes orteils sont bien positionnés, ou bien peut-être tes yeux sont bien positionnés, ou bien peut-être. Moi, je dis toujours qu'il y a les situations de la vie qui peuvent te ramener à faire ça. Mais que si tu es toi en forme et que tu n'as pas de PB, reste-toi comme tu es. Et si tu es logé alors que non, tu veux aussi qu'on t'appelle grande dame, tu veux aussi qu'on te regarde que oh, celle-ci-là, elle aussi déjà arrivée. Il y a des femmes que je les vois souvent qui vendent, même au Nigeria, je vois partout sur les réseaux sociaux, ils vendent le genre qui est comme le collant là, non? Hein? Tu achètes comme ça, tu portes, c'est comme si c'est toi là, 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 alors que c'est le collant. Tu achètes aussi cela, tu portes encore un petit collant au-dessus, le genre quand on te voit, on sent que non, toi aussi, tu as mis les bagages. C'est le genre qui aime ça. Hein? Mais que rester, prendre ton argent, tu pars quelque part, que tu ne sais pas. Et quand tu arrives là-bas, on te donne tout le papier de signer, que soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc, c'est 50-50%. Soit tu sors là-bas, comme tu es venu, ou bien soit tu sors là-bas d'une autre manière. On va partager le genre de vidéos aussi quand. Il y a toujours l'année, là, j'ai vu des vidéos, parce que c'est moi qui ne fais même pas parce que je me dis, ah, tout le temps, Joseph va venir faire des vidéos comme ça. C'est comme si j'ai encore les paroles avec ceux qui font ça. Non!
C'est chacun son truc et ses baganjos. Mais pour moi, juste c'est que quand vous faites ça là, la génération d'aujourd'hui, ils aiment copier. Oui! Ils vont regarder que non, si je ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas grande dame. Si je ne fais pas ça, c'est que tu n'as pas de l'argent. Si je ne fais pas ça, c'est que ça veut dire que tu n'es même pas encore, il dit, sur la liste des femmes capables. Et ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens que je connaisse qui n'ont pas fait ça, mais ce sont les grandes dames. Ils roulent dans les grandes voitures, les jets privés, mais ils sont là. Regardez même Tantine au moto là. Voilà même Anita Joseph qui est aussi sortie, dit que voilà, elle a compris la nouvelle aussi. Et une fille de 36 ans, très belle, elle n'a pas quoi, elle a tout. Mais elle est allée comme ça, elle n'est plus ressortie. Il y a quelque chose aussi que les gens ne connaissent pas. C'est que vous entendez que oh, telle personne l'a fait pour elle, elle a réussi, c'est cela. Est-ce qu'on vous dit même que pour aller faire ça d'abord, tu dois aller faire les examens? C'est pas que tu te lèves un grand matin, tu pars aussi, tu vois un docteur du quartier, tu dis que wow, je suis venu, docteur, non, je me porte bien, il fut de cela un mois, j'ai fait mes examens, non, je me porte bien, il fut de cela deux mois, j'avais fait mes examens dans tel test, non, on ne comprend pas cela. Quand tu veux faire ça, tu t'en vas à l'hôpital, on te fait les examens pas, dans le général, comme on dit là, hein, on regarde que tu es propre. Avant de faire quoi que ce soit. Mais certains de vous, vous êtes tellement pressés. Vous allez même souvent même dire ce qui n'est pas vrai au docteur que non. Vous avez fait les examens tel mois, docteur, non, moi je me porte bien. Non, 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 c'est là. Hein? Et le docteur maintenant, quand il fait son travail maintenant en se disant que non, vous vous portez bien, arrivé maintenant en route, ça tourne comme ça tourne. On commence à dire que oh, le docteur ne connaît pas faire son travail tout. Mais souvent, il faut aussi faire les recherches sur ce que vous allez faire. Parce que moi, je suis même il y a le temps, même comme je n'ai même pas l'idée de faire, je vais même voir l'argent pour faire ma chérie. Yeah! Même comme je n'ai pas l'idée pour faire, mais je me duque sur ça, non? Souvent, je pars comme cela sur Google, je cherche, je lis ce qui concerne toutes les histoires comme cela. Parce que c'est souvent bien d'être éduqué. Hein? C'est pas parce que tu veux faire quelque chose là que tu serais même pressé pour aller lire. Non, il faut seulement t'éduquer. Reste là, lis les choses, lis les livres, lis les choses, les documents et tout ça là. Hein? Vous vous levez le grand matin, vous allez dans les docteurs, vous prenez les raccourcis que je ne comprends pas juste parce que vous voulez aussi être sur la ligne des baby girls, des big girls. Hein? Restez comme vous êtes, non. Faites même le sport, non. Restez même comme les sacs de patates, comme nous, non. Vous voulez vendre le marché, vous voulez être ceci. Oh, c'est là-bas que mon marché passe. Oh, c'est là-bas. Voilà maintenant, elle a rejoint ses ancêtres. Sa famille est partout, certaines actrices, tout le monde est là. On dit que ouais, pourquoi? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi c'est là? Alors que c'est elle qui a pris ses deux pattes et allait là-bas. La famille.